je viens d'arriver de l'université Paul Sabatier, où j'étais maître de conférence, toujours en probabilité et statistique. Mes domaines de recherche sont plutôt dédiés à des questions de modélisation et des études mathématiques sur ces modèles qui peuvent être soit en économie, soit en biologie, soit en physique. Donc c'était assez naturel que j'arrive à l'UT1 pour me spécialiser dans l'étude de probabilité et statistique sur des modèles économiques. C'est une simplification de la réalité, mais une fois qu'on a la simplification de la réalité, on peut se dire que peut-être on peut mettre un pied vers l'explication de la réalité. Donc ça, c'est pas mal. Et il y a aussi quelque chose qui est spécifique aux probabilités statistiques, c'est que c'est étudier les probas et les stats, c'est peut-être une façon de mettre un cadre à ce qu'on n'arrive pas bien à expliquer. Bon, il y a quelqu'un, un russe, qui a été fondateur sur les probabilités statistiques au XXe siècle, qui s'appelle Kolmogorov, donc qui n'a peut-être pas eu une récompense internationale au même titre que d'autres scientifiques, peut-être aussi forts dans d'autres domaines des mathématiques, mais qui étaient moins probabilistes et statistiques, donc plus en vogue sur d'autres sujets. Bon, donc voilà, Kolmogorov, et puis plus récemment, Cédric Villani, qui a fait des ponts entre des questions de physique qu'il a essayé d'expliquer au travers de notions probabilistes. Donc voilà, c'est des gens tout à fait remarquables.